première fête de l'école au groupe scolaire Hanshaug. La kermesse tant réclamée a été préparée depuis près de 3 mois. On a eu 2 réunions de préparation avec les parents bénévoles qui ont répondu présents, on les remercie. Qui s'occupe donc des stands, en fait, de l'animation des stands, des gâteaux, et qui était là ce matin dès 8h, les papas, un jour de la fête des pères, pour monter tout ça. Les mamans sont arrivées un peu plus tard avec les enfants. À 15h, commençaient les inscriptions. 14 stands proposés, le passage à 7 d'entre eux était synonyme de récompense. Pêche à la ligne, loto des odeurs, maquillage, imitation, tout était présent pour que parents et enfants passent un bon moment ensemble. Le feu de la Saint-Jean, tradition à Reichshoffen. Depuis la fin de l'hiver, une équipe de l'association de la Saint-Georges s'attelle à la tâche. On a commencé il y a un certain temps déjà, c'est-à-dire fin février, début mars. Depuis, tous les samedis matins, on se retrouve gaiement dans la forêt, en train de couper, de faire du bois, de préparer tout ça. Le bois coupé est acheminé aux abords du plan d'eau. Chaque année, un thème différent et une construction en conséquence. Une tour aztèque est ainsi constituée. Près de 100 mètres cubes de bois brûleront pour ne laisser que des braises, rougissant encore 3 jours après la cérémonie. Un spectacle, retraçant une rencontre entre conquistadors et aztèques en son et lumière, animait la soirée et précédait l'embrasement. 80 à 100 personnes de la section basket participaient à l'organisation de la nuit, tant au spectacle qu'à la partie restauration qui amènera le budget annuel des basketteurs de la Saint-Georges. Une nuit magique qui embrasa les astres. L'harmonie de l'usine de Dietrich a ouvert la 62e finale de la coupe du même nom. Au stade Niederbronn-les-Bains, l'équipe de Gundershoffen a une revanche à prendre. L'année précédente, elle a perdu contre Merzwiller lors de la même finale. 11 équipes au total participaient aux préliminaires depuis août. La coupe rassemble toutes les communes où l'entreprise de Dietrich est implantée. Chacune recevra maillots et ballons. Sans légalisation de Merzwiller avant la fin du temps réglementaire, le but du numéro 10, Yves Diebold, à la 49e minute, aurait pu donner la victoire aux Bleus. Après prolongation, une longue séance de 14 tirs au but aboutira au score de 4-3. L'équipe de Gundershoffen a ouvertement savouré sa victoire. Le conseil municipal des enfants autour de l'eau. À Gundershoffen siège tous les trimestres, depuis 1985, un conseil de 15 élus. De 9 à 11 ans, les conseillers sont élus à l'école primaire communale. À l'ordre du jour, visite découverte de la Zinsel du Nord avec des membres de l'association de pêcheurs. Études précédées d'un travail en classe permettant de cerner les problèmes et ainsi de chercher des solutions adéquates. En présence du maire, le conseil se poursuit à la mairie pour les consultations et délibérations. Les écoles du canton en compétition athlétique. 11 écoles, 40 classes du CE2 au CM2 participent à ce challenge sur 3 jours. Une action à l'esprit intercommunal. Citoyenneté, c'est-à-dire que les enfants se rencontrent entre eux. Tous les enfants des autres écoles sont mélangés. Donc chaque maître n'a pas ses élèves et à la fin, seulement ils réintègrent leur classe. Un pentathlon complet. Au programme, course de vitesse pure sur 50 mètres. Course de haies sur 40 mètres, saut en longueur, lancer d'adresse et lancer en distance. Un relais 8 x 50 mètres et une remise de trophée clôturent les journées. Les élèves se prêtent tous au jeu, rêvant d'athlétisme et de médailles d'or.
club vosgien de Niederbronn-Reichshoffen comporte 19 personnes au comité. Et ces 19 personnes, évidemment avec leur épouse, n'est-ce pas, ont participé à cette manifestation, à cette organisation. Et sont tous des bénévoles qui sont là ce matin et cet après-midi. Les amis de la forêt viennent se restaurer un petit peu, comme vous pouvez le voir. La fête du Waldfest, cette année, est combinée avec la fête de la randonnée. Hein. La fête de la randonnée, pour être très simple, c'est en fait, ce sont trois circuits qui ont été organisés. L'un de 10 km, l'autre de 20 km, l'autre de 42 km, soit guidés, soit en circuit libre. Bon, les 10 km, ça représente à peu près, bon, il faut dire, 3 heures. 3 heures environ, sans forcer. Hein. Il faut bien s'arrêter entre-temps. Il faut voir le paysage aussi. D'abord, ils viennent pour le plaisir de marcher, d'être ensemble, entre amis. Hein. C'est en famille, on vient en famille. Il y a même des gens que j'ai remarqués avec des enfants. Bon, ils sont quand même un peu plus de 10 ans parce que c'est quand même 10 km. Les difficultés ne sont pas tellement grandes, mais c'est quand même un peu beaucoup pour les moins de 10 ans. Les gens du 42 km qui sont partis avec mon ami Albert Pierre, c'est quand même des gens qui sont en bonne forme et des bons marcheurs. Ils viennent marcher avec un bon moral. Il faut quand même, au point de vue équipement, des bonnes chaussures de marche. Aussi, bon, un sac au dos, avec de l'eau. Avec des, bon, en ce moment, c'est un petit peu la mode. On ne vient plus avec des gros casse-croûtes, on vient plutôt avec des gerblés, chocolat ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ce qui me plaît dans la randonnée, c'est la marche. La forêt, c'est les gens. C'est de voir nos amis qui sont des randonneurs, qui sont des gens qui aiment la nature. Je vois d'ailleurs quelqu'un qui est du métier, qui passe à côté de nous. Et qui, ces gens qui viennent nous voir, n'est-ce pas? C'est ça qui me fait plaisir. Notre activité est quand même une activité qui se passe en grande partie en forêt, n'est-ce pas? L'entretien des sentiers, d'une part, et les randonnées se passent quand même en forêt. Il est tout à fait logique que l'on fasse une fête spécialement pour les gens qui veulent aller en forêt une fois par année. Et comme il fait beau aujourd'hui, vous voyez que les gens arrivent, on les voit arriver au fur et à mesure, et ils veulent retrouver une ambiance hein, de forêt. Je ne dirais pas que nous sommes revenus à une situation d'avant la tempête, mais les chemins en grande partie sont sécurisés. Et je pense personnellement que cette année, on l'a vu d'ailleurs, les gens après cette tempête avaient une forte envie de retrouver leur milieu que je qualifierais de milieu naturel pour eux. Notre association existe depuis au début des années 50 et depuis là, notre sport a évolué d'année en année. On commence le samedi après-midi, on enloge les pigeons au centre d'enlogement de Gundershoffen. On a le style traditionnel avec les bas caoutchouc. Chaque amateur possède un constateur et chaque pigeon a une bas caoutchouc à sa petite patte. Et quand le pigeon revient à la maison, il faut qu'on enlève la bas caoutchouc. Il faut qu'on l'introduise dans un constateur pour constater l'heure d'arrivée. Et l'autre système, c'est le système électronique. Nouvelle génération, ça, on a commencé cette année. Et on n'a plus besoin de la bague caoutchouc. On a une petite bague avec une puce électronique. Et c'est la machine qui fait le reste. Nous tournons avec une quinzaine de membres sportifs qui exercent toutes les semaines leur passe-temps favori. Et cinq membres amateurs non sportifs qui ont ça comme distraction. Le camion les emmène et il les dépose au lieu de lâcher. Il les lâche le matin vers les 7h, 8h d'après le temps. Et tous les amateurs restent à la maison pour les attendre et constatent leur pigeon à l'arrivée dans les colombies. Il faut des épouses vraiment consentantes hein, parce que c'est tous les dimanches pendant toute la saison d'été. Les mâles et les femelles viennent de rentrer ensemble du concours et là ils resteront ensemble 2-3 heures et après les femelles vont retrouver leur colombier et les mâles vont se retrouver tout seuls toute la semaine. Si on enloge samedi, le samedi matin, avant l'enlogement, je leur montre les femelles. Là ils sont ensemble une demi-heure. Et après, je les attrape, je les mets au panier pour les mettre au camion.
Ils auraient dû partir de Bourges, mais la météo n'a pas permis. Alors ils sont revenus sur Saverne et c'est là qu'ils les ont lâchés. Là, tout le groupe, presque tout le groupe est arrivé ensemble. Mais autrement, quand il y a des concours de 500-600 km, il y a un pigeon ou deux pigeons qui viennent. Après, il peut avoir 5 minutes sans pigeon, et, ou 10 minutes même, ça dépend. C'est le pigeon le plus vite qui sera le premier à la maison. Il y a deux, trois sortes de pigeons. Il y a des pigeons pour la vitesse, qui volent bien jusqu'à 300-400 km. Et après, vous avez les pigeons de demi-fond, qui sont entre 400 et 600 km. Après, vous avez les pigeons de fond. Pour les concours internationaux, ou à partir de 600, de 600 jusqu'à 800-900 km. C'est surtout la passion, il faut aimer le pigeon. Mais on est quand même content quand on se retrouve deuxième ou troisième dans un camion, il y avait 3000, 4000 pigeons. Donc c'est en fait, c'est une histoire un peu rigolote, c'est deux adolescentes en fait qui sont à l'origine de l'atelier, qui sont allées voir monsieur le maire et ensuite monsieur Lecoq, le directeur de la maison des arts et congrès, pour lui demander un atelier théâtre ici, dans cette maison. Voilà comment ça s'est passé, quoi. Et c'est comme ça que M. Lecoq m'a contactée pour animer l'atelier. Donc il y a 3 ans. Alors la première année, ils étaient 11. La deuxième année, ils étaient 18. Et là, ils sont 23. Ça commence à 7 ans jusqu'à 13 ans. En fait, les deux premières années, on a travaillé sur des improvisations et sur l'écriture des enfants. Enfin, la première année. La deuxième année, on a travaillé en collaboration avec un comédien qui a écrit la pièce d'après les impros des enfants. Et donc, à la fin de la deuxième année, les élèves m'ont demandé « Ah oui, mais on aimerait bien quand même jouer dans une vraie pièce. » Alors, je leur ai dit « Ok. » Et puis, l'année d'après, donc en septembre, je leur ai ramené « Le songe d'une nuit d'été ».« Le songe d'une nuit d'été », parce que Shakespeare est un grand enfant et que c'est vraiment la pièce la plus ludique, la plus fraîche qu'il ait écrite. Et il y a quand même des instants tragiques, il y a des instants où on rigole, enfin où ça fait rire les gens. Alors, c'est aussi bien, quoi. Il y a un peu de tout, quoi. Bon, c'est quand même un langage poétique. C'est pas un langage quotidien. Et eux, ils avaient l'habitude d'un théâtre plutôt du quotidien, puisque écrit avec leurs mots à eux. Fâcheuse rencontre claire de lune, n'est-ce pas, ma fière Titania ? En fait, j'avais deux ateliers, un le mercredi, un le jeudi. Un le mercredi, où on travaillait les personnages surnaturels, avec un groupe, et puis l'autre groupe, les personnages humains, c'est-à-dire les amoureux et les comédiens. Je travaille comme avec des adultes, c'est-à-dire que quand on essaye une scène, ils me font leurs propositions et puis ensuite on fixe ou alors je rajoute des choses. On fixe les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien, on essaye de voir comment on peut faire au mieux et puis ensuite je fixe, il faut bien fixer une fois, quoi. Les enfants ne jouent pas comme les adultes, ça c'est évident. Il faut se dire que c'est une pièce de théâtre comme toutes les autres, sauf que c'est joué par des enfants, donc ça change presque rien, quoi. J'ai les mêmes exigences qu'avec des professionnels, mais ils jouent avec leurs possibilités à eux et avec leur énergie à eux. Je veux entendre cette comédie, car rien ne peut être ridicule de ce qui nous est offert par gentillesse. C'est pas une histoire de capacité, c'est une histoire de maturité, en fait. Parce que des capacités, ils en ont, elles sont énormes. Alors, pour leur faire partir le trac, franchement, c'est des enfants, ils ont une énergie qui est difficilement canalisable. On a chassé le trac comme un vieux démon. Ouais, quand on n'est pas spécialement concentré, tout ça, ouais. Parce que c'est une longue pièce à mettre en scène, alors c'est compliqué, donc il faut qu'on soit... Elle fait tout son possible. Ce qui est peut-être un peu difficile, c'est de mélanger les âges, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes pôles d'intérêt à 7 ans et à 13 ans. Donc ça, c'est un petit peu difficile à gérer, mais je crois que ça va, on a réussi à arriver à ce qu'on voulait. C'est vrai que c'est super, alors on va bien rigoler et puis sera bien, on aura plein de plaisir, quoi. On va être content en rentrant et on va bien dormir, bien sûr. Ils font beaucoup de bruit, mais je crois que c'est parce qu'ils sont heureux dans cette maison.